Bonjour tout le monde, merci d'être là. Ça fait vraiment plaisir d'être à nouveau à Devox, ça fait vraiment plaisir de voir des mondes sans écran interposés à nouveau, et ça fait vraiment plaisir de voir cet écosystème se relancer. Quoi. Exactement, et très content de vous voir, d'être ici et d'être avec Horacio. Donc. Bon, je vais me présenter rapidement. Comme vous pouvez peut-être deviner au léger accent, je suis espagnol, je m'appelle Horacio González. Ça fait plus de 20 ans que j'habite à la pointe de la Bretagne. L'accent ne veut pas partir, moi non plus, c'est bien. Et je suis responsable de la nouvelle super team DevRel de OVS Cloud. Et à part ça, je suis aussi assez impliqué dans les communautés et tout ça. Et depuis très longtemps, j'adore faire des front malgré la tête bizarre que certains mettent quand j'ai dit ça. Ah oui, oui, on a un passé commun de javaliste, voilà. Mais javaliste recyclé frontiste. Exactement, moi c'est pareil. Donc moi c'est Jean-François Garot. Je suis pas breton, même si je suis nantais, tu vois. Mais bon, on va pas lancer le débat aujourd'hui. Donc moi aussi, je suis un petit peu impliqué dans les communautés. J'organise une autre conf aussi que vous connaissez peut-être, qui est le DevFest Nantes. Et sinon, dans mon job, je m'occupe de l'agence de Sphère Nantes. Donc Sphère, voilà, si vous ne connaissez pas, ce n'est pas très grave. Si vous connaissez, tant mieux. Et on a tous les deux le label Google Developer Expert ou quelque chose comme ça et un web technologiste. Exactement. Et moi aussi, j'aime bien le web. Voilà. Et aujourd'hui, on va faire le troisième épisode de notre série de talks surchargés. Et avant tout, on veut dire que ce n'est pas vraiment très original. On était inspiré de Melior, c'est ça? Ouais, voire même, je pense qu'on peut dire qu'on a carrément pompé les trucs, quoi. Mais la frontière entre inspiration et copie est étroite. C'est ça. Bon, on a adapté à la version française, voilà. Hein. Et qu'est-ce Google que c'est, Trad. Les surcharges de... Alors, Surcharge Live, à la base, c'était donc... Supercharge, c'était une émission qui était pour optique de montrer en fait des API du web, justement, et de les pousser un petit peu dans leurs limites ou des API qu'on n'utilisait pas. Et puis, ils se sont mis à faire des sessions live et on s'est dit, c'est vraiment trop cool. Un peu l'objectif, c'est faire « Ah, mais on peut faire ça avec un navigateur !» Et on a adoré le format, on l'a proposé la première fois ici à Devox en 2018. Ouais, c'était ça. Ouais, après, 2018. On a fait quelques autres confs. Et donc, l'idée, c'est on va live coder. On va live coder à chaque fois un projet complet en commençant d'un projet blanc. Alors, le seul truc en effet qu'on s'est permis de faire en amont, c'est le NPM install. C'est surtout qu'on n'avait pas envie de perdre une demi-heure pendant que les dépendances étaient téléchargées. Quoi. On ça. A 45 minutes de talk. Déjà, on veut laisser un peu de bande passante aux autres speakers. Et puis voilà quoi. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, au fait, on est parti d'une idée. Il y a une API très sympa, c'est l'API accélérométrique. Et c'est plus trop drôle. Et on voulait la tester, et Jean-François voulait tester aussi l'API Stream. Ouais, j'entends parler de ce truc-là, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de voir ce que c'est la fameuse API Stream côté web. Quoi. On sait qu'on peut utiliser des streams, justement, mais j'ai envie de voir un petit peu comment on peut s'en sortir. Et moi, je voulais jouer avec l'accélérométrique, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme projet qui mélange les deux? Et on a eu une idée un peu variée, on pourrait essayer de faire un jeu multijoueur. Et si on a des temps, les déployer en live pour vous laisser jouer en live. Ouais, moi, je pense qu'en effet, on va tenter un truc. On va essayer de vous faire jouer et on verra lequel secoue son téléphone le plus fort à la fin. Quoi. Grosso modo. Ça va, ça vous va? Vous êtes chaud? Bon, okay. Bah, on va démarrer. Alors, Covid oblige, hein, on s'est mis en situation remote. On va être sur un partage de sessions live share pour faciliter un petit peu le développement. Et c'est fou comme ça marche bien et ça permet de faire des trucs très drôles ici à côté, mais aussi l'un à Nantes et l'autre à Brest. On va faire comme si c'était ça. Donc du coup, commençons par la base. Peut-être, moi j'ai envie de dire, on va peut-être commencer par mettre en place un petit serveur. Alors, comment on va faire pour streamer les choses? Du coup, on va récupérer les données de l'accéléromètre, ok. Et comment on va emmener ça sur notre... On va se dire on a une page web, éventuellement une seule, histoire d'aller plus vite. Et un serveur avec des websockets, ça tirait? Ouais, ça me va. Ok, allez, go. C'est parti. Donc, alors, on va créer un petit serveur. On va aller vite. Hein. On va pas révolutionner le monde. Hein. On va faire du express. Ok, on va importer une librairie qui marche plutôt bien pour
Faire des WebSockets, donc WebSocket serveur, donc from WS, et puis j'aurais besoin d'un truc qui s'appelle create serveur, voilà, from HTTP. Donc ça c'est la base. Ensuite, on va faire ça sur le port 8080. Ça me semblait bonne chose. Voilà, je pense que on va pas révolutionner le monde aujourd'hui. Et on est parti. Donc app est égal à express. Donc là, tout le monde est super content de me voir taper du code comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va servir directement notre page ici. On va mettre directement à la racine, ce sera plus simple. Donc express.static. Il y a un truc qui me dérange de ce qu'il fait. C'est qu'il a décidé d'appeler ça .mjs. À la base, c'est parce que beaucoup de monde pense encore que Node, si tu utilises des modules JavaScript, il faut l'appeler MJS. Ce n'est plus tout à fait vrai. Il suffit dans les package.json de dire type module et on n'a pas besoin de faire ces verrues-là dans l'extension. Je mets Mais bon, ça il avait où? l'air heureux avec son extension, j'ai pas voulu l'embêter. Je mets ça où du coup? Bah, après le main, par exemple, Donc tu là, fais type module. d'accord, ok. Module là, ok. Voilà. Et là, du coup, je peux renommer mon fichier en... Oui. Ok. Eh ben, parfait, faisons ça alors. Ce sera plus simple. Je suis pas très fan non plus des MJS, on va dire. Ok, donc j'ai mon serveur ici et je vais avoir mon serveur de WebSocket qui est égal à new WebSocket serveur de serveur. Donc là, c'est de la déstructuration. Et enfin, nous allons écouter notre port. Console.log et on va juste vérifier que ça se démarre bien. Listening. Voilà. Ok. Tu peux les lancer pendant que tu lances, tu peux commencer si tu veux. Hein. On va voir. Alors, attends, j'ai fait une bêtise. Visiblement. Cannot find module, not found, tu vois. Mets ton MJS, on verra Ah ça bah plus oui, mais tard. non, si, c'est normal, regarde. C'est que mon npm start, il pointe vers un serveur MJS. Voilà. Non, mais c'est pour ça, j'ai pas envie que tu changes tout en live sans l'avoir testé, simplement parce que je Ah, suis voilà, embêtant, quoi. c'est bon, ça Ok. tourne. Bon, bah, si tu te mets dans les fichiers que je viens de créer, non, non, ah oui, non, lance Ouais, d'abord, je regarde voilà. juste si ça marche. Vérifions. La confiance n'exclut pas le contrôle. Alors. Exactement. Alors, écoute, ça a l'air de. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ah oui, t'as fait un index.html déjà? Voilà, il est Eh ben vide. voilà. Ah, voilà, c'est bon. Voilà! Wouh! Tadam! Bon bah c'est bon, on peut s'en Bon, aller. bah, si tu peux. Ok. Voilà, c'est mignon ça. Bon, bah, on va faire un doctype. Tu sais que tu peux. Si tu. Regarde. Si, je me permets un petit truc. T'as Emmet qui est installé. Oh la Hop, vache! voilà. Ça va un Moi, peu. je pensais que, bon, bah, dans ce cas-là, il n'y avait Ça. pas grand-chose à faire. Je vais Voilà. mettre ici un surchar de live. Vous voyez comme c'est vraiment sympathique les partages des. Et oui, ça c'est le monde de Et l'informatique là, maintenant, on va ça. créer simplement des mains. Pourquoi des? Parce qu'on est embêtant. Parce qu'en gros, notre petit jeu va avoir des types de. D'écran. Des types d'écran. On va faire quick and dirty. On a 36 minutes. On va faire un écran mobile. Et on va faire un écran bah, pour le jeu lui-même. Ouais, c'est ça. On va l'appeler mobile main, par exemple. Ça te va? Moi, ça me va. Je pense que. Et j'ai main balise style inline. Comme ça, je vais me faire pourrir un Twitter pendant 3 générations au moins, quoi. N'empêche que ça reste quand même hyper efficace sur du mode prototype rapide, quoi. Bon, si tu l'as dit, Non, non, donc mais oui. là, Hello Mobile. Attention, t'es pas dans le bon endroit. Si tu veux que ton Hello Oh. Mobile il marche, il faut qu'on tu le mettes dans ta balise main. Heureusement qu'il y ait quelqu'un qui suit. Bah, non, parce que le public, pour l'instant, il dort là. Non, le public dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Mon Dieu, je comprends rien. Je vous rassure, moi non plus. Game, et on va les mettre, bah, Hello, Game. Ok, très bien ça. Ça te va? Ouais, Et bah on ça les me met va. en display known. Par contre, comment on va distinguer l'un de l'autre? Ah. Bah, c'est là qu'on va montrer une première API que moi, c'est Jean-François qui me l'avait découvert, et quand je me suis rendu compte qu'il était hyper vieux, je me suis senti assez débile. Alors, est-ce qu'on fait un quiz? À votre avis, qu'est-ce qu'on va utiliser? Comment est-ce qu'on va détecter
Comment est-ce que dans ce petit script que je vais mettre là, qu'on va appeler app.js, comment est-ce que je vais détecter si j'affiche le game main ou le mobile main? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous pensez? Pas tous en même temps, Non, j'arrive mais pas à ouais. entendre. Bon, moi, dans le brouhaha, j'ai entendu un truc qui venait dans ma tête, visiblement. Attention, tu as mis script avec un S et là, tu as mis script sans S. Bah, parce que toi, tu corriges ça, tu es là pour ça, non? Et donc, eh ben, il y a un truc qui s'appelle les media queries. Ouais, mais les media queries, comment est-ce que... Attends, je sais que je vais avoir besoin d'une fonction. Là, c'est clair, et on va l'appeler, en étant très original, isMobile. Jusqu'à là, on est d'accord. Donc, moi, je voudrais que cette fonction me dise si c'est mobile ou non. Et toi, tu m'as dit, mais les media queries, mais là, je suis en JavaScript. Bah, il se trouve que depuis très 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 longtemps, Eh ouais. et moi je me considérais me connaître à minima en web, quoi. Il y a une petite fonction très sympa qui s'appelle Match Media, qui en gros, bah, ça te permet d'analyser des media queries et te dire s'ils sont true ou false par rapport au user agent qui se connecte. Et Et ça, donc c'est là, disponible depuis, bah, depuis depuis les l'apparition des media media queries. queries, en fait. Donc, même dans IE, on peut utiliser ça, quoi. Et moi, bah, d'abord, je n'ai pas cru, après j'ai testé. Et je me suis dit, punaise, Jean-François, tu m'embêtes, quoi. Bah, ça Et donc marche, là, quoi. j'ai dit, tiens, bah, en gros, si c'est Media Query match, bah, c'est que c'est pas mobile, donc voilà. Ça renvoie trop. Donc en fait, c'est plutôt pr pratique en fait de savoir que ça existe. Comme ça, bon, en fonction du besoin, du choix, on peut justement se décider à utiliser directement les media queries directement dans le Et navet. donc maintenant, si j'ai fait un DOM content loaded, donc quand mon DOM C'est c'est là, je chargé. vais simplement pouvoir tester, quoi. Exactement. On va tester Donc, ça. if, bah, j'imagine que is mobile. Tu imagines bien. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais, non, if is mobile, j'ai Alors. oublié les parenthèses, parenthèses. Là, je suis difficile à. Bah, si c'est mobile, bah, je vais récupérer les main mobile. Document, get element by ID, mobile main, si je ne me trompe pas trop. Exactement, c'est ça, mobile main. Merci. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai les chances de style inline que je l'avais mis. Pardon. Style.display. Display. Bah, je le mets à flex. On va le mettre en flex parce que je pense qu'on On va avoir besoin à vue de après, nez, pour ce plus sera un tard, peu plus voilà. rapide. Et bien entendu, je vais déboguer. Parce que moi, je suis un développeur vieille école. Là, j'ai des bugs. Je suis mobile. Voilà. Et on le met en else. Ah, quitte à Exactement. faire ça. Et là, quand je n'ai pas envie de m'embêter, et surtout que le temps n'est pas extensible, bah, là, c'est game main. Je suis le jeu. Oh là 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 là. Ça te va? Moi ça me va, c'est Attends. parfait. Et j'ai enregistré. Ok, donc on va tester ça. Alors, donc. Hello game, déjà ça me paraît pas mal, parfait. Et si on veut tester en mode Hello mobile, bon, ok, ça fonctionne. Déjà, j'ai appris quelque chose dans ce talk. Ok. Après, comment est-ce que notre jeu va communiquer avec le serveur? On a parlé de Stream API, mais d'abord, on va faire la version la plus basique de tout ça. Ouais, on va commencer par un truc simple. Déjà, on va tester en WebSocket pur comment on ferait ça. Et après, on va convertir ça. On verra si c'est une bonne idée ou pas. Parce que, après tout, on avait juste envie d'essayer, hein. Mais déjà, la version WebSocket, ça va permettre que le jeu soit légèrement multijoueur. Donc du coup, bah Et pour ça, bah, faut je qu'on vais code la revenir. partie, ouais c'est ça, la partie soccer. Je le mets dans ton serveur, tu me le prêtes ou tu veux que je le fasse dans un fichier à part? Non 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 non, on va mettre ça dans le serveur là directement, on va pas Bon, s'embêter. bah, écoute. On est en live, c'est bon, ils sont gentils là. Bon, je ne sais pas, je vais créer déjà un WebSocket. Par Boum. contre, je me pose une question, Oui. c'est comment on va faire pour distinguer qui sont les joueurs, qui sont nos attendees, de qui est Bah là, on va quelque part tricher. Je ne sais pas si on dit tricher ou pas, parce que dans les WebSockets, dans l'API WebSocket, il y a un champ qui est très drôle parce que ce n'est pas vraiment très défini, c'est le champ protocole, non? Mais oui, pourquoi pas? Bonne idée À ça. la base, ça permet
de créer des schémas de communication un peu plus complexes sur les WebSockets et quand même WebSocket puisse supporter des trames de communication différentes. Donc il y a dans le message un champ protocole. Nous, on va le truquer, ouais, on va l'utiliser. Ouais. Et donc, comme tout... En fait, l'idée, vas-y, hein, t'as qu'à coder, je vais expliquer. Bah, l'idée, en effet, c'est vrai, c'est ça, c'est que le protocole à la base, il est là pour vous aider à définir des protocoles de communication au sein de vos WebSockets. Et comme ça, on peut distinguer et justement optimiser et choisir au mieux le protocole en fonction du client. Mais là, nous, en fait, on va utiliser ce champ protocole pour distinguer finalement qui est le joueur du jeu. Donc c'est une façon relativement simple. Bah, écoute, console.log, je suis désolé, je ne sais pas faire si je débogue pas tous les instants. Bah, connexion, voilà. Et du coup, on verra le protocole. Donc c'est un champ caché, par contre, normalement. Il est pseudo-private à la old school JavaScript. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va tester ce protocole et on va dire, pour nous, le protocole peut avoir des valeurs. Soit game... Soit, qu'est-ce qu'on appelle l'autre ? Je vais commencer par game. Moi, je pense que ce qu'on peut tenter, c'est de se dire qu'on a le jeu par défaut, donc game, c'est bien. Et après, bah, finalement, tout ce qui n'est pas game, c'est un joueur. Et du coup, on se servira de ça. Et dans ces cas-là, on l'utilise pour les ID des joueurs ? Exactement. Ouah, ça c'est une bonne idée. Mmh. Attends, pourquoi il me... C'est en mode quick and dirty, mais ça marchera. Quoi. C'est quick, très quick, très dirty, mais ça devrait le faire. On aurait dû mettre un gros spoiler sur toute la conférence. Ne faites pas tout en prod. Ah non, surtout, on n'est pas responsable des bêtises que vous pouvez faire en prod avec nos bêtises à nous, s'il vous plaît. Non, mais ceci dit, on essaie quand même de montrer des trucs utiles. À la base, c'est un peu l'idée. Mm. Et sinon, si c'est pas, je l'envoie, un ID, l'ID, tu m'as dit que ça serait dans le protocole. Exactement. Écoute, pourquoi pas? Protocole, le petit champ caché qui va bien. Ouais, c'est ça, ça me paraît bien. Voilà. Et le WebSocket. Et la WebSocket, du coup, comme ça. Jusqu'à là, il n'y a pas fait de bêtises, non? Non, non, là, c'est bien. Moi, ça me va là bien. Donc du coup, on a ça, vraiment... c'est ce qui se passe à la connexion. Une fois qu'on a la connexion, qu'est-ce qu'il faut le dire? Il va falloir faire un ws.onMessage. Mm. Et qu'est-ce qu'on fait si on reçoit un message? Eh bien, si un joueur envoie un message, et ben, on le balance directement à notre jeu. Et si le jeu, lui, envoie un message, on le balance à tous les joueurs. Ok. Ça me paraît assez simple. Ouais, si tu l'as dit. Moi, comme d'habitude, si t'es tu, j'aime bien quand je peux déboguer, surtout quand je suis en live et je vais me tromper en quelque chose, et comme ça, tous les mots vont pouvoir dire « Mais abruti, il ne s'est pas connecté !» Ah non, je ne me permettrai jamais ça. Non, toi non, mais oui, je suis persuadé. Ouais, voilà. Message, et dans les messages qu'on a reçus, écoute, message. Jusqu'à là, ça me va. Maintenant, on va faire quelque chose avec. Et c'est la première chose, le message, je pense que ça va être des JSON, non? Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que le protocole WebSocket, il nous envoie des chaînes de caractères, en fait, par défaut. Donc, du coup, on va utiliser, vu qu'on est sur un protocole string, là, en chaîne de caractères, forcément, à chaque fois, il va falloir qu'on pense bien à parser et mettre du stringify, justement, quand on va vouloir communiquer. Sinon... Mais ça va pas bien marcher. Mais année de développeur bug m'a dit on pourrait le faire en SOAP aussi, mais non, je pense que la connerie ça va à quelques instants. Bon, qu'est-ce qu'on peut recevoir comme dans ces cas-là comme type de message? Je pense que on peut recevoir de la donnée. Data, ouais, ça c'est vous qui jouez sur votre téléphone. Bah ça oui, paraît bien. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas? On va envoyer json.string. Oula, attends. Oh. Je te le réécris. Voilà. Ah, merci. Vous voyez, il ne faut pas me confier un clavier. Après tout, comme mes chers amis disent, maintenant que je suis à part entière de frêle dans lanceur de paillettes, j'oublie presque comment code, quoi. C'est pas vrai, mais... La discussion, ça se permet. Oh, j'arrive encore à faire quelque chose avec mes 10 doigts. Je ne sais pas exactement quoi, mais j'arrive à faire des choses. Et donc, si ça démarre, qu'est-ce qu'on fait? On va prévenir à tous les players que ça démarre, non? C'est ça, exactement. Et on va plutôt utiliser un for off, hein, parce que sinon, c'est un for each, au final, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus performant. J'avoue que quand j'avais commencé à faire, j'avais fait un for each, et après, il arrive avec l'air de non, mais on va faire plus propre. Ok, comme tu voudras. Si on peut, on essaye.
Et on va les envoyer un petit message. Et là, c'est un 10 en point. Et... Oh, mais qu'est-ce qu'il me fait, sérieux? Voilà. 10 son. Ah oui, si, c'est pas. Point. Et Stringify. Exactement. Jusqu'à là, il arrive à taper bah, de notre petit message JSON. Mm. Et on envoie le message à tout le monde. Jusqu'à là, ça le fait? Ouais, je pense que ça me paraît pas mal. Tu as fait un autre break. À la fin de. Ici, là, merci. Mais oui, bien entendu. Ah, il y a quelqu'un qui suit. Merci. On vous testait, bien entendu. Surtout moi, j'ai vous testé dans ce type de cas. Et à la fin, il faudra bien fermer tous les boutons, non? Voilà, c'est ça. Donc, je l'ai fait un on-close. Ouais. Plutôt bah, une bonne pratique quand on travaille comme WebSocket. C'est ça, c'est qu'on essaye quand même de gérer proprement la sortie de notre proprement, on fait comme on peut, mais bah, au mieux, voilà, au mieux qu'on peut, comme on peut faire quand on fait un live coding à DevOps. Quoi. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, à nouveau, on va faire notre test de protocole. Oui. Bah, écoute, comme je suis feignant, t'as bien raison. C'est pas la définition d'un développeur ou développeuse d'être feignant. C'est ce qu'on fait tout le temps, en fait. J'espère bien. Donc, la première cas, si c'est les yeux, je les tue. Qu'est-ce que j'ai fait si c'est... Qu'est-ce que je peux bien faire sinon? Bah, sinon, on va supprimer du coup le player de notre liste, tout simplement. D'accord. Donc, dans ce cas-là, je vais d'abord essayer de récupérer le player, non? Oui, je suis d'accord. Const. Voilà. Et pour ça, bah, on va utiliser un find, je pense. Ça me paraît bien. Players. Ouais. Voilà. Find. Et qu'est-ce qu'on va finder? Bon, bah, on va chercher, essayer de trouver, c'est ça. Si vous préférez. Bah, celui dont les ID, c'est le protocole. Égal au protocole, parce que quand c'est... On y met 3 égales, oh, ouais. Oui. 2, oui. 3, 27 égales, c'est JavaScript, dans les doutes. Ok. Et après, bah, on va muter directement notre. C'est là où c'est pas ouf, mais on va muter directement la liste. Et là, j'ai fait quoi? Bah, alors attention, ah, au-dessus. Hein. J'avais directement effacé la liste, mais t'es un peu bourrin. Bon, bah écoute, il m'a dit de faire. Vous ne voyez rien et vous racontez à personne, mais on va WS Players. Bon, bah, j'ai quoi? J'ai fait un splice par exemple? Ouais. Tant pis, on va muter, là, c'est pas... Et bien, left, bah, celui qui a la position index. Mm-hmm. Voilà. Ouais. Ouais, mais... Merci. Tu vois, j'ai beau être dirty, C'est ça. Ah, attends. Et stopping. Voilà, stopping. Et là, on va ajouter le protocole. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te chagrine dans ce qu'on a fait pour le moment, à part tout? Non. Bon, bah écoute. Non, on va rester là-dessus pour l'instant. Donc, je vais couper, je relance. Hop. Attends, il n'est pas. Voilà, maintenant c'est enregistré, pardon. Il faudrait peut-être que tu recharges. Non, c'était enregistré, moi. Déjà. Ah, bah, moi, il m'a manqué les. Ok. Ok, attends, je ressens. Hop. Voilà. On va voir juste voir si la WebSocket elle est lancée. Normalement, elle est... pour l'instant elle n'est pas encore. Ouais, bah, c'est normal. On n'a pas encore justement fait en sorte qu'on la mette côté front. Bah, je te propose de le faire. Hein. Écoute, effectivement, j'ai créé tout ça. Je te regarde faire, mais je code pas beaucoup là pour l'instant. Donc, écoute. Donc, on va se rajouter un petit bouton. Ça me va. Et qu'est-ce qu'on fait avec les boutons? Quand on va cliquer, on va commencer. On va demander du coup à l'instruction de. On va lancer l'instruction de démarrage. Je pense que ça me paraît pas mal. Ça me va. Donc game.js. Ok. Donc export de default. Donc on va créer une classe. Hein. Game. Ok. Donc constructeur. Tac tac tac. Voilà, ça c'est la base. Et ici, on va importer ici mon game. D'accord. Voilà. On commence à importer des fichiers et tout. Alors, par contre, du coup, si on veut récupérer notre WebSocket, bah, va falloir qu'on ait notre URL.
Et faut qu'on pense au fait que vu qu'on va déployer ça tout à l'heure dans le cloud, ce sera du HTTPS, mais là pour l'instant on est en local. Donc il va falloir qu'on distingue un petit peu les deux. Moi, à l'origine, j'avais mis les trucs en dur et après j'avais changé, mais il aime bien faire les choses comme ça, quoi. Bah, en fait, je pense qu'il vaut mieux quand même. Ah non, mais En gros, respect. on va regarder si on est sur du HTTP ou du HTTPS et en fonction, on va générer justement le bon protocole parce que c'est pas tout à fait la même chose. Et C'est pas faux. mon URL du coup de WebSocket, ce sera ça. Donc mon schéma, deux points slash slash et c'est location.host. Voilà, ça ce sera l'URL de la WebSocket. Ça me va. Et donc on va juste démarrer notre jeu. Je vais lui passer la web l'URL. Donc là, il faut que je mette à jour ça. WURL. Et donc on va, première chose à faire, je vais donc démarrer ma WebSocket. Donc avec WURL. Tac. Et qu'est-ce qu'on fait quand on pour démarrer la WebSocket? Je vais créer un objet WebSocket. Undefined. Donc this point est égal à new WebSocket donc de mon URL et je n'oublie pas le petit protocole qu'on a Parce que défini. là, c'est le game. Ok. Exactement. Ok, donc là je crée ma connexion mais pas encore parce que j'ai pas démarré, j'ai pas appelé ma méthode. Et du coup vu que j'ai créé un bouton, on va se brancher dessus. Donc on va faire ouais WSURL, voilà, et donc on va faire ça. Donc Et ici, là, c'est là qu'on va. donc on va faire un truc basique, hein. Document, get element, by ID, il s'appelle start Donc là, button. c'est Oti lance l'écoute de notre petit bouton pour démarrer le jeu. Exactement. Ok, tu écoutes le clic. Et là, dans ce cas-là, il faudra que tu envoies les messages de démarrage. C'est ça, on va faire ça. Donc du coup. Ma WebSocket elle est démarrée là du coup. Normalement. Ouais. Et du coup je fais mon json.stringify d'un objet type start. Ok. Donc ça c'est Vendu. bon. Et puis faut que je commence à écouter les messages. Oui, donc tu démarres les listeners, c'est ça? Ouais. Donc on va faire ça. On va préparer le terrain pour tout à l'heure en fait en gros quoi. Donc Mais voilà, les listeners, tu n'as pas encore fait. Voilà, c'est là qu'on l'ajoute. Donc ma WebSocket, le protocole c'est onMessage. On est d'accord? Donc je reçois un message. Et donc au cas où on a fait des trucs pas bien, on va faire comme si tout allait bien. Il nous reste que 17 minutes, mais on va faire comme si on croyait qu'on va finir, hein? Non mais on va finir, on va y arriver. Et donc du coup. Mon message, donc j'ai ma data qui est ici, json.parse de message.data, hop, et on va supposer que je récupère bien les choses. Player, data, hop, de data, et puis ça je vais le créer. On va faire un console.log pour l'instant. Hop, de data, hop. Voilà, comme ça, du coup, normalement, si je rafraîchis. Je dois avoir une des erreurs. Game. Ah bah oui. Forcément. Voilà. Ok, le bouton start. Si je me mets côté network, j'ai ma WebSocket qui est là. Si je clique sur le bouton start, on voit bien que le message y part. Waouh! Bon, déjà c'est bon. Écoute. Ah, par contre, tu vois, le message est reçu. Faudra qu'on regarde le décodage, mais. Écoute, on va essayer de. Maintenant, tu as fait le côté game. Ouais. Maintenant, il faut que je fasse un peu les côtés mobiles, c'est ça? Exactement. Bon, bah, je vais revenir jouer sur notre index.html qu'on avait ici, tout mignon, non? Voilà, je vais l'ouvrir pour qu'il puisse le voir parce que sinon ça peut être drôle. Bah, écoute, est-ce qu'on va perdre de temps dans ces jolis trucs de 20 minutes pour faire des CSS? On va perdre de temps pour faire des CSS? Un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. Ah, écoute, donc, bah, type,
Comme d'habitude, texte et CSS, non? Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je sais jamais, moi, à chaque fois. Si je sais. Si je se mettre bien en égal, ça va peut-être. Et maintenant, il faut que je le dise en href. Et on va les mettre dans un répertoire CSS. Main.css. Jusqu'à là, ça devrait le faire. On est d'accord? Ouais. Allez, soyons bien et fermons ça. Ok, et maintenant, bah, il va falloir créer ce répertoire CSS et ce main CSS. Est-ce que tu peux créer toi? Ouais, c'est bon. Bah ouais. Parfait. C'est magique, ça s'ajoute tout seul. Donc ouais, non, on va faire juste un tout petit peu, histoire de que ce soit un peu plus visible, quoi, hein, c'est tout. Hein. Bah là, je me permets une des rares tricheries que j'ai fait dans celui-là, parce que mettre les CSS d'initialisation comme ça, et les padding 0, et les wait, et les... Écoute, moi, il y a des choses sur lesquelles j'aime bien les coder en live, il y a des choses que ni pour vous ni pour nous, il y a des valeurs ajoutées. En gros, c'est même... quelque chose à faire. Bah voilà, on définit les polices, on définit un auteur qui ne nous bouffe pas tout l'écran, on définit un mode flex comme on avait dit tout à l'heure. Et maintenant, je crois que le moment intéressant de ces face CSS, ça va être bah, les boutons, non? C'est ça. C'est que ça qui, bah, celui-là, je peux le coder à la main parce que celui-là n'est pas trop compliqué. On va faire que notre petit bouton. Ah, c'est là que tu prends des risques, hein, ça se voit. Je les mets en font size et maintenant Jean Blanc, je les mets en REM, en REM. Bon, allez, je m'en fous, ça va être moche de toute façon, j'assume. Ah non, si on faisait des jolis dans ces démos-là, ça se saurait. Ah, c'était plus, pas je fait. Suis un développeur. Non, c'était pas fait pour aujourd'hui. Hein. Voilà, j'ai fait des CSS. Bravo. Merci, merci. Et maintenant, bah, il va falloir revenir, je vais devoir... Tu as fait un mobile, yes. Non, un game, yes. Bah, je vais faire un mobile, yes. Ça me semble joli. Ça me paraît être une bonne idée, en tout cas. Et je pense que je vais faire une logique un peu semblable à la tienne, non? Ouais. Donc, export de default class, et on va l'appeler mobile game. Ouais, pourquoi ouais. pas. Ouais. Validons mobile game. Et là, bah... il va avoir un constructeur. À ce constructeur, on va lui donner la double. C'était URL en minuscule comme ça, non, si je crois. Ouais, mais après, c'est pas très grave, ça, j'ai envie de dire. Bueno, si tu vas l'envoyer, mais quand ça, on est cohérent. Donc, URL égale à URL. Jusqu'à là, ça va très bien. Mais plus que ce qui m'est arrivé là. Bah, et maintenant, on va commencer à faire. Et. On va devoir définir quelques variables pour le jeu. Il faut qu'on récupère un nom d'utilisateur. Un nom d'utilisateur. Player ID? Yes. Player ID. Et par défaut, bah, on les met en définir. Payer, bueno, parce que personne ne paye vraiment ici, mais ça serait beau, quoi. Et il faudrait savoir si ce player est ready. Oui, dans le sens où, en fait, on va faire en sorte de vous dire quand vous secouez le téléphone, quoi. Ah ouais. C'est plutôt ça. Donc, pour l'instant, ça va. Et on va lui donner un username. Ouais. Ok, tu l'aimais, c'est cool. Ah bah. Et on va ajouter un listen to move. Ouais. Est-ce que, en fait, le player ready, c'est est-ce que un joueur est prêt à jouer ou pas. Donc, en voilà. gros, est-ce que vous avez rempli un nom de joueur ou pas. Est-ce que tout est prêt de votre côté. Est-ce que la partie peut commencer. En gros, quoi. J'ai fait quoi, là. Non, okay. Rien, tu avais un truc qui était. Bon, bah, et maintenant, on va. Commencer à écrire une fonction pour initialiser notre UI. Ouais. Ça me paraît bien. Et qu'est-ce qu'on avait besoin pour ces UI? Eh ben, on va avoir besoin de petites icônes, je pense, tout simplement pour afficher. On va éventuellement faire des emojis si ça te va. Oh, des emojis? Ah, bah oui, oui, carrément. Philippe Charrière serait fier de nous. Bah, en gros, ouais, plutôt que d'aller chercher des images, de perdre du temps, on va récupérer directement des emojis, je pense que ce sera. Voilà. Déjà, et puis un input. Ouais. Voilà. On va commencer par ajouter un listener au username. Et là, okay. On fait quoi bah... Key up. Ouais, key up. Un basic key up. Hein. Moi, je vais ajouter un truc, je me dis, ça peut éventuellement servir. Une bah, sorte écoute... d'espace pour les messages d'erreur. Ok. Je pense que ça peut être utile. Ça me va. Au moins pour avertir, quoi.
En gros, là, je vais chercher si la personne a fini a fini avec un enter, quoi. Ça te va? Ouais. Bah oui, on peut. C'est fini, hein, les key codes, hein, de toute façon. Hein. Le key code 13, c'est bon. Hein. On le connaît. Hein. Element by ID. On va username value. Et Oh, si ça je suffit. ferme les guillemets, c'est encore mieux. Et on va faire un petit trim au cas où il y a des espaces qui traînent. Exactement. Et donc, si il a fait un enter et en gros, il n'a pas fait que d'espace vide, je pense que dans ce cas-là, on peut commencer à dire, Boba, tu as trouvé un username, mon ami. Moi, je pense que ça me paraît bien comme idée, ouais. Ça me paraît être un bon postulat, en tout cas. Il y a un seul truc qui m'aime à la bah, document. Là, je vais faire un copier-coller. Oh, c'est moche, ça. Mais tellement utile. Nickel. Ok. Et on va ajouter quelque part un message d'erreur, non? Bah, on va le cacher plutôt. Voilà. Là, on va le cacher, mais il faudrait qu'on l'ajoute après. Il ne faut Tiens. pas que je l'oublie. Et comment on va l'appeler? On va l'appeler Error Message. Tiens, regarde. Hop. Voilà, je te l'avais. Ah, tu es trop adorable. Bon, bah, parfait. Et qu'est-ce qu'on va faire sur ces messages d'erreur? On les cache, display, bah non. Ça te va? Ouais. Ok, et continuons. Et maintenant, on va montrer les usernames, par Histoire exemple, pour dire qu'on a validé. et les montrer à l'écran. Document.getElementById, à nouveau, boum, des player name. Faut qu'on note bien les noms, hein, parce qu'il faudra qu'on les mette du coup dans notre HTML C'est après. pour ça que j'ai commencé à stresser, parce que j'ai dit, c'est pas les mêmes qu'on avait tapé l'autre jour. Et... Comment ça? On a répété? C'est pas. On a répété chacun de notre côté parce qu'on avait des petits soucis pour se coordonner, comme d'habitude, quoi. Donc, c'est pour ça que je me sens légèrement. Bon, bah, j'espère ne pas faire trop de bêtises par rapport à ce qu'on s'était dit qu'on allait faire. Je surveille, ça va pour l'instant. Et là, j'ai mis un display block tout bête. Ça te va? Ouais, très bien. Et bah, maintenant, bah, les usernames, on les cache, quoi. Les fields où ils mettaient ça. Document.getElementById. Pourquoi lire? Oh, pardon. Gros doigt. C'est comme ça, en effet. Et moi, en attendant, Ouais, je vais. avance d'autres choses parce que sinon, on va se faire avoir par l'étane. C'est exactement ça. Donc, moi, je vais considérer qu'on va faire comme tout à l'heure un init WS, sachant qu'on l'a en haut. Donc, du coup, j'ai pas besoin cette fois-ci de le passer en paramètre. Ouais, ça va le faire. On va pouvoir commencer le jeu. Ok. Ça me va. Ok. Donc là, le jeu, on pourra. Ah oui, si, il faut quand même qu'on ait un truc qu'on passe. Parce que dans le protocole, rappelle-toi, on donne le nom de l'utilisateur. Bah Donc oui. Donc il ça, c'est faudrait important. que... Donc le nom de l'utilisateur, on va le récupérer ici. Ok. This.username. Voilà. Et ici, on va le récupérer ici. Username. Vas-y. Voilà. Donc, init username. Et là, c'est this.playerId égale. Ok. Dollar. Dollar, je vais te le faire. Hop, voilà. Ok. C'est bon, c'est bon. Username, alors. Et ensuite, bah, un autre dollar machin. Et on va les donner. Bah, la date actuelle. Vas-y, vas-y. Moi, je fais un truc en attendant. Là, je fais en sorte que on affiche les bons icônes. Ok, tu peux même avancer de ton côté pour ça. Donc du coup, toi t'es en train d'initialiser la WebSocket. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer d'un côté, initialiser, bah, comme ce que j'ai fait tout à l'heure sur la partie game, bêtement la WebSocket de base, en précisant donc le player ID qui sera le protocole à utiliser, quoi, ici. Comme ça, on sait en fait qu'on est en train d'afficher le truc bien, quoi. Ici, comme ça, voilà. Et donc, oui, donc voilà. Donc du coup, ici, on récupère. Donc là, ce que tu fais, toi, c'est sur ton message, Voilà, quand tu je récupères. reçois
Et on start listen. Ok, bah du coup, il faut écrire le start listen. Vas-y. Voilà. T'as qu'à commencer. Toi, tu as fait ton check-in. Tu as fait ton check-in. Ok, bah voilà, je m'occupe de donc. Et on met mon start listen. Lui, il est relativement simple. Je vais vérifier que. This.check voilà, icons. True. On va faire ça. Wait. Et ça va être l'inverse. Du coup, moi. Ok, on n'a plus que notre HTML à faire avec les bons, avec les bonnes parties, quoi. Bah, écoute, allez, les go. Bonnes parties. Et je te les ouvre à nouveau, boum. Voilà, donc on est là. Bah, il faut qu'on ajoute tous ces champs jolis qu'on vient de créer, non? Ouais. Bon, bah, un input. T'es où? Faut que tu sois au-dessus. Ouais, non, mais je les mets ici en bas, je te les remonte ensuite, d'accord? Okay. Très bien. Donc ça va être un mot texte, la scala on est d'accord, et on les cache les... Il va falloir qu'on speed un max, hein, mon gars. La scala, ça me va. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va ajouter des spans, plein de spans. Mm. Span ID égal, et voilà, tu mets les copies. Je commence, le player name. Oh, ok, moi je vais faire l'autre. Erreur. Message, ok. Style à la base, tout est caché. Voilà. Plenon. Ok. Et donc là, on va utiliser nos jolis emojis. Player name. Voilà. Un petit emoji, ça va faire. Error message, style à déjà mis. Parfait. Bah, j'ai fait le suivant. Hop. Copier-coller. Et. Shake icons, l'icône de Canessa Sahelit. Et on les met aussi en cachet. Ouais. C'est icône, hein, faut que tu bites bien, ouais. Icône. Ouais. Ouais, icône, voilà. Ça les fait, quoi. Et du coup, lui, ça va être la petite boussole. C'est. Wait, ça marche ça? Normalement, c'est CTRL, un espace, ou un truc comme ça, ou Shift, un espace. J'avais pris ça l'autre jour, justement, pour toi. Il est où mon petit sablier? Voilà, ça j'aime et bien. Et shake, c'est celui-là. Voilà. Wait. Bah, shake. Ok. Ok. Bah, on va essayer. Bah, écoute. Très bien. Donc, ça continue de marcher normalement. Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser. Mon téléphone pour tester. Et le remote debugging? Et le remote debugging, je ne sais pas si vous connaissez du coup. On peut en fait débugger directement sur notre téléphone. Et visiblement, il y a une erreur quelque part, parce que ça ne marche pas pour l'instant. Je pense qu'on a fait une petite bêtise. De quoi? Initui n'est pas invoqué. Bah voilà. C'est pas faux. Donc, Initui. Bah si. Endgame, c'est ça. Non, dans game il est invoqué. Ah bah oui, aussi, oui. Oui. Ok, donc on va faire ça comme ça. C'est ma faute, il avait dit qu'il allait remonter. Ah bah oui, remonter. Bien entendu. Voilà, comme ça. Alors par contre, j'arrive pas à faire mon truc comme je voudrais. C'est pas grave. Hop, on va faire ça, juste pour s'assurer. Que j'ai bien une erreur. Game. Il y avait la protéine. Regarde. Dans les... Il manque ici. Allez hop, on est parti. Donc c'est mobile game, je crois que tu l'as appelé. Hein. C'est ça. Mobile, ok. Et ici on va faire la même chose. Donc new mobile game de WSURL. Ok. Donc. Là, ça devrait. Si je clique. Bah voilà, Short Enter a Name. Par contre, j'ai pas le. Parce que j'ai l'appelé username. Parce qu'il est en display none. Hop. Bah voilà. Hop. Ok. Parfait. Cannot read property of null. Ah, t'as raté un truc sur. Moi, j'ai raté un truc. Possible. Username, et comment on l'a appelé? Texte? Ah, mais il n'a pas d'ID. Il n'a pas l'ID username, c'est moi qui ai raté un truc en effet. Voilà. C'est magique. Ça marche mieux?
Et malheureusement, on ne va pas réussir à ajouter la partie accéléromètre, que c'est ce que je voulais montrer. Alors, ok. Oh mon dieu, là c'est... Alors, mobile, ah si, on a 20 secondes. Secondes. Oh, ça va être un peu compliqué. Challenge, challenge. Alors, import, accéléromètre, c'est parti. Donc l'API accéléromètre, on la récupère. Ok, hop, je l'ai là. Ensuite, je vais la brancher ici. Oh là là, faut que j'aille trop vite. Ça va être... C'est là que je vais taper n'importe quoi. Tape n'importe quoi, mais tape bien. Ok. Et comme ça, dès que le talk est fini, on le déploie et on pourra faire les petits concours que vous voulez faire, mais... Accéléromètre. Directement hors ligne. Okay. Ah, mais non, on n'a pas le résultat. Oh non ! Ah ! Accéléromètre de frequency. Voilà. 10. Voilà. Ensuite. Il va nous manquer 3 minutes et c'est dommage. Okay. Bon ben. Basiquement, ce qu'on n'aura pas pouvoir vous montrer en cet exemple-là, c'est là, ça va s'agiter, on va recevoir les messages, donc on va pouvoir montrer qui. Les ID de ceux qui agitent le plus. Et ensuite, plutôt que faire des WebSockets, on se dit si on a trop de monde, les WebSockets, c'est peut-être limitant. Et là, on veut utiliser le Stream API. Je pense qu'on fera un tweet complet sur ça parce que cette partie-là serait un peu plus longue, mais la conclusion qu'on a eue, c'est complètement contre-intuitif. Je vous fais un spoiler. C'est effectivement, on a testé avec pas mal d'utilisateurs simulés. Le Stream API ajoute un overhead assez considérable, de façon que on bloque beaucoup plus rapidement. Et si on utilise simplement des WebSockets et des méthodes de très bas niveau, bah, on arrive à supporter beaucoup plus de joueurs et des trams sont plus courtes. C'est un code plus crade, mais la différence est énorme. Par contre, dès qu'on balance le Stream API, bah, on se retrouve qu'on est vite limité. Et donc, la conclusion qu'on voulait faire de ça, c'est on pense qu'intuitivement, c'est correct, mais je voudrais creuser parce que, a priori, le Stream API, c'était censé nous permettre d'éviter juste ces soucis d'engorgement. Et donc, on a prévu de creuser avec des use cases un peu plus compliqués pour voir pourquoi nous, ça donne a priori un résultat qui est un peu à l'opposé de ce qui devrait être. En attendant, je pense qu'on a déjà dépassé de beaucoup. C'est bon. On va pouvoir tester. Et basiquement, on était un peu trop ambitieux. Ça faisait des années qu'on ne faisait pas de live coding et plus synchronisé. Et j'ai des gros doigts, littéralement. Ah, j'ai fait 2 minutes, ça ne le fait pas. Je suis sincèrement navré de ça. On aura tous les exemples seront sur GitHub de la fin de la matinée pour vous permettre de tester. Y compris toda la explicación que on a donné dans chaque étape y los resultados que on a eu, que j'aimerais bien voir si ça coïncide avec les resultados que vous avez avec la Stream API. Y essayer de voir ensemble si c'est nous qui faisons mal les choses o si c'est quelque part que c'est pas rentable de l'utiliser pour beaucoup de cas. Non, mais le stream, c'est vraiment cool, mais en effet. C'est très joli, ça organise très bien les applis, mais. Si ça nous fait un goulot d'étranglement, bah, c'est pas trop la peine, quoi. Non, par contre, vous pourrez gérer vraiment tout ce qui est back pressure avant, en fait. Avec. Faut vraiment avoir ça en tête. Le back pressure, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est le concept de gestion de justement du pool de données qui arrive et comment on va le traiter. Et avec le stream, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on peut concevoir et utiliser très proprement, en fait. On peut vraiment gérer l'afflux de données qui arrive et décider de traiter ou pas des données, en fait. Et dans ce cas-là, ça pourrait être rentable de l'utiliser. Mais en tout cas, la façon brute qu'on avait essayé pour la démo, ça ne marchait pas. Non, bon, c'était pas eu. Nous manque montrer ce dernier step et déployer, mais en tout cas, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris certaines choses, que vous avez peut-être même rigolé un peu. Et en tout cas, si vous testez notre code et vous trouvez, ah bah, mais ça explique pourquoi ça ne marche pas mieux, bah on est preneur aussi. Toute suggestion, tout commentaire. Bah en fait, ce qu'il faudrait, c'est vraiment passer par du web worker. Quoi, après. Oui, mais le web worker, c'est peut-être le sujet des prochains talks qu'on va faire. C'est ça.
Et qu'on tâchera En tout de cas, réussir. bah, voilà, on arrête là parce qu'on dépasse les 5 minutes sur un talk de 45 et ça ne les fait pas. Si vous avez des questions, on est dispo à la sortie. Et encore une fois, désolé d'avoir manqué de quelques minutes pour finir. Bah, j'ai réussi à montrer que je secouais le téléphone et que ça marchait déjà. Mais bon, on n'a pas réussi à Voilà. faire. Merci.